Bonjour tout le monde, c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, directement du Musée de la civilisation, que je vous souhaite la bienvenue pour une deuxième saison de la série Autrement. Comme pour la première, on poursuit notre mission d'éducation et de compréhension du fonctionnement de notre eau. Si à la première saison, nous avons concentré nos efforts dans le bassin versant du lac Saint-Charles, pour la deuxième, on va couvrir la totalité du territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Et tout de suite, je rejoins Mélanie Deslongchamps. Bonjour. Bonjour. Mélanie, qui est directrice générale d'Agiro aujourd'hui. On t'a bien connue dans la saison 1 pour l'appel. Et Mélanie, je suis contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu es l'idéatrice du projet, déjà. Mais avant d'aller là, parle-moi peut-être d'Agiro. On vous a connu sous le nom de l'appel, puis là, vous avez un changement de nom. Bien, ça faisait très longtemps qu'on y pensait, là, parce que l'appel, c'était l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord. C'est un nom très long, mais aussi, c'était très local. Et on trouvait que c'était à propos, là, après 40 ans, de peut-être rafraîchir parce que notre mission était plus large que seulement le lac Saint-Charles comme elle était au début. Agiro, c'est très court, puis c'est pour dire agir pour l'eau. Donc, ça veut dire exactement ce qu'on fait. On agit dans plusieurs actions là, en environnement pour protéger l'eau. Et on a produit la première saison d'Autrement, évidemment, encore une fois avec toi, sur une saison sur laquelle tu as beaucoup travaillé et dans un contexte à l'époque qui était particulier. Ramène-nous peut-être là, à la création du projet. Il y avait le RCI à l'époque. En fait, il y avait le règlement de contrôle intérimaire pour la protection de des prises d'eau là, de la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. Et pourquoi il y avait un règlement? C'est que nous, on est arrivés en disant que le lac Saint-Charles n'allait pas bien. Notre organisme était le messager pour une étude qu'on avait faite qui disait que le lac Saint-Charles avait vieilli prématurément. On le répète, là, le lac Saint-Charles avait vieilli de 25 ans en seulement 5 ans. Donc là, les gens avaient comme... ça avait marqué l'imaginaire. Puis il y avait eu un règlement de la communauté métropolitaine de Québec qui venait dire qu'il fallait comme diminuer la pression sur le territoire, moins de développement. Mais on avait été comme organisme un peu beaucoup pris à partie. Ouais. On avait eu à intervenir dans les médias, auprès des élus, auprès des promoteurs. Donc, à l'époque du premier Autrement, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir plus de temps que juste le temps de clip média quand on est dans les nouvelles. Moi, je voulais qu'on puisse expliquer c'est quoi les problématiques puis qu'il se fait aussi des bons coups. On fait plein de belles choses aussi. Et est-ce que tu as l'impression, justement, que l'objectif a été atteint avec la saison 1? On a aidé les gens à mieux comprendre les efforts qu'on déploie au quotidien pour le protéger là? Mais en fait, les gens me disaient toujours, Mélanie, je ne suis pas contre. Même les promoteurs me disaient, Mélanie, je ne suis pas contre la protection de l'eau. Mais j'ai aussi une vision différente de toi, de la chose. Donc là, il fallait comme essayer de trouver une manière de se rejoindre, mais le dialogue n'était pas possible avec un moratoire, avec un règlement, avec des obligations. Puis c'était comme si on arrivait par en haut au lieu d'avoir fait un règlement où on aurait pu se concerter puis discuter. Puis le contexte est différent aussi. La poussière est un peu tombée en ce qui concerne le RCI. Pour cette deuxième saison-là aussi, un nouveau partenaire s'est joint à nous, la communauté métropolitaine de Québec, qui est embarquée. Mm-hmm. Peux-tu me parler des... pas nécessairement une liste exhaustive, là, mais des grandes thématiques là, qui vont être présentées aux téléspectateurs pendant la saison? Bien, c'est sûr que quand on parle d'eau, là, on parle souvent de l'eau de pluie. Donc, quand elle arrive sur notre territoire, elle va aller s'écouler vers les cours d'eau. Donc, on va parler de ça. Aussi, comme humain, on utilise de l'eau. Donc, on va parler d'eau usée. Quand on envoie l'eau soit vers notre installation septique ou vers les égouts, on va parler aussi de contaminants d'intérêt émergent. Peut-être que c'est nouveau pour vous d'entendre ça, mais c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus parler. On va parler de changement climatique. On va aussi parler des sels de voirie, de protection des milieux naturels pour la protection de l'eau. Donc, c'est plein de thèmes différents là, qui vont être parlés tout au long de l'émission. Tu le permets, dans le fond, on va rentrer dans l'émission, on va rejoindre Marie-André, avec qui on va faire vraiment un survol en hélico du territoire. Ça va nous permettre, là, avec un peu de recul, de s'apercevoir à quel point, quand on parle du réseau d'eau sur le territoire, tout est interconnecté, tout se rejoint. Donc, on rejoint tout de suite Marie-André Boisvert. Vraiment hot ici? Méchant beau spot. Ça va être le fun. Ça va être notre véhicule du jour. Ouais. Très hot. Aïe, aïe, aïe. Allô pour vrai? Ben oui. Le grand jour. Le grand jour est arrivé. Marie-André, tu vas être notre guide aujourd'hui. Ouais. Le territoire qu'on s'en va explorer, c'est en quelque sorte ton terrain de jeu. Exactement. Je suis biologiste de formation, puis je me suis spécialisée aussi en environnement de l'eau à la maîtrise. J'ai travaillé une dizaine d'années dans un organisme de bassin versant, puis je suis arrivée récemment là, à la CMQ, à la Communauté métropolitaine de Québec, à titre de conseillère en environnement.
Puis un de mes mandats, c'est de collaborer à la Vision métropolitaine de l'eau. La Vision métropolitaine de l'eau, c'est une grande réflexion qui s'est tenue avec plusieurs partenaires du monde municipal, OK, des organismes communautaires qui ont vraiment une vision tournée vers l'eau, la protection de l'eau, les bassins versants, des fonctionnaires de la Ville de Québec et évidemment de la communauté métropolitaine de Québec également. Alors, le mandat qu'on s'était, que la CMQ s'était donné, c'était de faire une grande réflexion avec tout ce monde-là pour arriver à une vision, comment nous, à la communauté métropolitaine de Québec et tout, sur tout le territoire de la communauté métropolitaine, on voit l'avenir. L'eau, c'est vital. La Ville de Québec et la communauté métropolitaine de Québec ont la chance d'être entourée d'eau. On a des plans d'eau extraordinaires, des rivières, des lacs, on a le fleuve. Alors, vous comprenez qu'on cherche à protéger ces milieux-là. Le territoire de la CMQ, c'est la MRC de la Jacques-Cartier, l'agglomération de Québec, incluant la ville de Québec, ouais. La MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC de l'île d'Orléans, puis la ville de Lévis. Tu me disais hein, que votre territoire, là, c'est près d'une trentaine de municipalités, je pense. Oui, c'est 28 municipalités. Quand même, hein? Oui, oui, oui. Puis la CMQ, c'est un organisme de planification du territoire, justement. Donc, elle fait ça, réfléchir le territoire, comment on peut aménager le territoire pour que ça soit cohérent. Mais là, l'idée, c'est d'apporter la notion, d'apporter davantage la notion de l'eau dans la façon qu'on réfléchit l'aménagement et le développement du territoire. Puis pour faire ça, bien évidemment, il faut considérer les limites du territoire de l'eau, en fait, oui. Les limites de bassin versant. Le bassin versant, lui, se définit comme l'ensemble de l'eau qui coule sur un territoire puis qui converge vers un point commun qu'on appelle exutoire. Puis quand on parle de l'eau qui coule, on parle des cours d'eau, on parle des plans d'eau, on parle de l'eau de ruissellement. Donc, tout ça, en fait, sur un bassin versant, coule vers un même endroit. On parle beaucoup du concept de amont-aval également. Donc, l'amont, en fait, c'est tout ce qui se situe dans le... Si on prend le relief, en fait, d'un bassin versant. Donc, l'amont, c'est vraiment ce qui est du côté de la montagne. Puis lorsqu'on parle de l'aval, mais c'est vraiment ce qui est dans la vallée, en fait. Donc, pour bien se localiser, on utilise beaucoup ces notions-là du concept amont-aval. C'est certain que sur le territoire, bon, c'est quand même un territoire qui est quand même assez vaste, donc ça amène beaucoup de superpositions. Là, on a évidemment la zone du bassin versant de tout ce qui est de la rivière Saint-Charles. Là, on a le bassin versant de la rivière Montmorency, qui sont des bassins versants importants. Chaque bassin versant a sa signature, on peut dire. Tout ce qui va se passer à l'intérieur d'un bassin versant, bien, ce ne sera pas nécessairement les mêmes choses dans l'autre bassin versant à côté. Fait que c'est important de s'intéresser à chacun d'entre eux, d'aller chercher des connaissances... que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, les écosystèmes, toutes sortes de connaissances. Puis justement, une partie de mon travail, c'est de rapatrier toute cette information-là. Le plus d'informations, de connaissances qu'on a en lien avec l'eau sur le territoire de la CMQ. Évidemment, je fais ça en collaboration avec mes collègues à la CMQ, puis de nombreux partenaires sur le territoire, dont des organismes de bassin versant qui ont un gros bagage de connaissances. On a 40 organismes de bassin versant au Québec. Les organismes de bassin versant, c'est des organisations qui sont spécialisées dans le domaine de l'eau. Elles sont mandatées par le gouvernement du Québec dans la loi sur l'eau pour faire une gestion intégrée de l'eau par bassin versant en concertation. Donc, on va réunir les acteurs de tous les secteurs d'activité, du secteur municipal, la société civile, du secteur économique, industriel, agricole, forestier, des Premières Nations aussi, pour faire une réflexion ensemble à l'échelle du bassin versant sur l'eau, sur ses enjeux, sur les solutions qu'on peut proposer. Après cette réflexion-là, bien, il y a un plan d'action qui est produit, qui est le plan directeur de l'eau. Le plan directeur de l'eau, bien, il s'adapte à chaque territoire au Québec, évidemment, mais il y a des grandes lignes là, qu'on doit faire partout au Québec. Donc, ça comprend un portrait de la situation pour bien connaître l'état des ressources en eau, par exemple. Ensuite, on fait un diagnostic pour identifier les problématiques sur le territoire puis les problématiques prioritaires. Chaque organisme de bassin versant a identifié 3 à 5 problématiques vraiment prioritaires sur son territoire qui ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les Laurentides, l'accès au lac est très important. C'est une grande région de villégiature. Mais ce sera sans doute un peu moins important sur la Côte-Nord, par exemple. Il va y avoir d'autres enjeux peut-être liés au développement de l'industrie minière, par exemple. Une fois que ces priorités-là sont identifiées dans les plans directeurs de l'eau, on retrouve des plans d'action, donc une vision, des orientations, des objectifs, des actions à mettre en œuvre avec tout un plan de suivi d'indicateurs pour faire le suivi et l'évaluation du plan au fil du temps. La gestion par bassin versant sur le territoire, en fait, c'est une responsabilité actuellement des organismes de bassin versant. Donc, ce sont eux qui gèrent avec leur plan directeur de l'eau, en fait, les actions par
grandes zones de bassin versant. Donc, nous, c'est sûr que comme intervenants du milieu, on souhaite améliorer justement notre collaboration. On souhaite travailler davantage avec eux justement pour intégrer l'eau. Puis c'est un peu ça aussi peut-être le message, c'est que dans le fond, la gestion intégrée de l'eau, ça devient une espèce de priorité en fait à l'échelle métropolitaine. Marie-André, on s'apprête à partir. Qu'est-ce que tu me proposes? On va faire un super bon tour d'horizon là, pour voir les enjeux, les problèmes, les bons coups sur le territoire. On va aller autant sur la rive nord que sur la rive sud. Ça va être vraiment trippant. Excellent. Puis je suis très fébrile parce que je t'avoue que c'est mon premier tour en hélico. Je n'ai jamais fait. Et moi aussi, c'est la même affaire. Oh, yeah! Ben, on va être deux initiés aujourd'hui. Yes. Let's go. J'ai hâte. Ça va être le fun. Ouais. Le territoire de la Sainte-Vue, c'est un territoire qui est quand même assez vaste, un territoire qui est riche. Il y a quand même 28 municipalités, 5 MRC. Il y a plusieurs vocations au territoire, là, en fait, plusieurs utilisations, même, j'oserais dire. Il y a certains milieux, ce sont des milieux, par exemple, des milieux urbains, donc des milieux denses. On a des grandes étendues de forêt, au plus au nord du territoire. On a des secteurs très agricoles. C'est un territoire où la diversité règne, j'aurais envie de dire. Est-ce que c'est un processus vraiment qui est réversible ou éventuellement, si on fait attention, si on travaille le lac, on pourrait le ramener à une meilleure qualité d'eau? Justement, on a fait des recherches à savoir comment on peut améliorer la situation, notamment en enlevant des sédiments dans le fond qui contiennent beaucoup d'éléments nutritifs. Là, sans rentrer dans le détail, mais c'est ça qui favorise l'eutrophisation du lac. Donc, oui, il y a des études qui ont été faites. Puis, mais là, on est encore un peu en attente de comment on passe à l'action. On peut observer la tourbière de la Grande Chute Bleue. C'est une immense tourbière sur le territoire de Lévis et de la Sainte-Vue. C'est parti du grand complexe de lieux humides là, du territoire de la CMQ. Il y a plus de 300 morts là, comme ça, des petits zones d'eau. Ça, c'est vraiment intéressant comme habitat. Là, toute la faune, les oiseaux, les canards, etc., ils peuvent l'utiliser comme habitat. Wow. C'est vraiment un milieu qui est très intéressant là, sur le territoire de la CMQ. Puis le fait qu'il a été protégé, il n'y a jamais eu d'exploitation pour la tour ou pour la canneberge, ben, c'est un bon coup là, pour la région. Quand je disais que les lacs, ils vieillissent, ils finissent par avoir plein de plantes aquatiques, c'est ça, c'est un processus naturel. Ben, tu sais, comme là, on voit le résultat ultime de ce que deviendrait un lac éventuellement. Là, ça finit par être comme justement une zone humide, tourbière. Il y a quand même, effectivement, là, plusieurs bons coups sur le territoire de la SMQ lorsqu'on pense à des éléments plus de récréotourisme, de mise en valeur des milieux naturels. Donc, on pense, entre autres, je vais prendre l'exemple de la rivière Etchemin. Bon, du côté de Lévis, on a aménagé une piste multifonctionnelle lorsque les gens, donc, peuvent aller marcher, peuvent aller faire du vélo, de la raquette le long de la rivière. Donc, pour eux, ça devient très intéressant. Du côté de la rive nord, bien, c'est sûr qu'on a le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. Donc, ce qu'on cherche à faire dans toutes ces interventions-là, c'est de redonner, finalement, la place à l'eau pour que les citoyens puissent en profiter.
être rustique aussi. C'est aussi le garde-manger de la région. Il y a beaucoup de production agricole sur l'île. Un des enjeux à l'île d'Orléans, c'est que l'approvisionnement en eau potable est souterraine. Fait que c'est un enjeu d'avoir assez d'eau pour répondre aux besoins agricoles. Ouais. Puis est-ce que c'est la même eau qu'on partage, mettons, pour la population générale de l'île, dans le fond? Ben oui, dans le fond, toute la consommation en eau potable est souterraine. On observe la rivière Montmorency. Wow, OK. Et avec sa superbe chute juste là. Donc ça, c'est vraiment un gros attrait touristique pour la région également. Là. C'est un point fort là, de la rivière Montmorency, du fait qu'il y a beaucoup d'activités autour de la rivière. Puis, on va se dire, la rivière Montmorency, c'est une rivière qui a une bonne qualité d'eau. C'est un bassin versant qui va bien en général. Je pense que les gens cherchent aussi à sortir de chez eux, à découvrir de nouveaux endroits, justement pour se promener le long des rivières, par exemple, ou des cours d'eau ou des lacs. Donc, le but, c'est de leur offrir justement ces endroits-là pour qu'ils puissent s'évader. On peut bien saisir la notion de bassin versant ici. On voit bien la délimitation des montagnes avec la crête des montagnes. Fait que ici, on comprend dans quelle direction l'eau coule là, quand elle tombe. On s'en comprend qu'elle s'en va par ici, puis l'autre bord, elle s'en va par l'autre bord. T'sais. Ici, on observe les trois petits lacs. On est plus vers la tête là, de bassin versant de la rivière Saint-Charles. Si on regarde au loin, bien, on peut observer le lac Saint-Charles au loin. Donc, on s'en va vraiment, on descend dans la vallée. Le bassin versant de la rivière Saint-Charles, en fait, c'est un bassin qui est important pour la région de Québec parce que c'est la principale source d'approvisionnement de la ville de Québec. Là, ça alimente plus de 300 000 personnes. Le bassin versant de la rivière Saint-Charles, on a un bassin versant qui traverse 9 municipalités, qui accueille 365 000 personnes. À l'intérieur de ce bassin versant de rivière-là, on a une prise d'eau potable qui alimente 300 000 personnes. Donc, c'est certain que l'aménagement du territoire, le fait qu'il y ait plusieurs unités, donc les organismes de bassin versant, les municipalités, les MRC, la horde, je dirais, d'acteurs dans le milieu a pour effet de effectivement rendre une situation assez complexe dans la gestion puis l'aménagement du territoire. Il y a tellement d'acteurs qui travaillent sur les enjeux de l'eau qu'il faut qu'on puisse se parler. Parce que tout le monde travaille à son palier d'intervention d'une manière différente. Il ne voit pas toujours ce que l'autre fait, des fois plus haut dans le bassin versant ou des fois plus bas. Il y a plusieurs données, il y a plusieurs études. D'un côté comme de l'autre, les organismes de bassin versant font leur propre travail. Le ministère de l'Environnement a ses propres données. La Ville de Québec fait ses propres études. La communauté métropolitaine également. Alors, comment on peut être cohérent puis se donner une cohérence dans tout ça, travailler ensemble au moins sur une base qu'on peut se définir ensemble? Donc, la vision de l'eau, ça cherchait d'abord à rassembler tous les intervenants sur le territoire puis de dire, bien, on va tous partager nos intérêts, nos préoccupations, puis on va pouvoir en discuter entre nous. Est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été long de mobiliser autant de partenaires et d'arriver à la vision métropolitaine de l'eau telle qu'on l'a signée comme maintenant? Ça, c'est un processus qui a pris à peine plus d'un an. Donc, l'équipe de la communauté métropolitaine de Québec a pris le mandat et l'a conduit là, en main de maître. Il y avait des représentants de chacune des MRC qui sont présents sur le territoire de la CMQ. Des représentants aussi qui représentaient les organismes de bassin versant, donc les acteurs de l'eau, là, les terrains, là, ceux qui ont la responsabilité d'un bassin. Des fois, c'est une rivière, des fois, c'est plusieurs. Mais il y avait également des usagers, donc des gens qui utilisent l'eau. Donc, il y avait des représentants aussi du secteur agricole, du secteur forestier. Il y avait des représentants du monde universitaire, parce que la recherche est aussi importante pour avoir une vision un peu différente sur la ressource eau. Il y avait des représentants des Huron-Wendat aussi qui ont participé aux échanges. Donc, l'idée, c'était que tous ceux qui cohabitent sur le territoire et qui font des actions qui portent sur l'aménagement ou sur l'eau et puisse partager son point de vue. On veut vraiment que les acteurs du milieu portent ces actions-là, s'investissent là-dedans pour que tous ensemble, on puisse arriver à protéger l'eau.
Puis au cours de la prochaine année, donc, on sera capable d'élaborer le plan d'action. Donc, on sera capable d'identifier des porteurs, d'identifier des fonctions en fonction des priorités qu'on a identifiées finalement dans la vision. Les quatre piliers autour desquels s'articule la vision, là, c'est l'identité du territoire, la qualité des milieux de vie, la résilience de notre communauté, puis la capacité de support des écosystèmes. Puis ces quatre piliers-là ont tous été regardés dans une perspective de changement climatique. Donc, comment les effets des changements climatiques vont avoir des répercussions sur ces quatre axes-là et comment on peut se projeter dans le temps en respectant ces quatre piliers-là. Je pense que c'est tout à fait pertinent de mettre les changements climatiques au cœur de ça. On le sait où on est rendu présentement. Là, je veux dire, c'est plus à prouver que les changements climatiques ont un grand impact là, sur nos milieux naturels. Mais encore faut-il se préparer à ça. Ici, on n'est peut-être pas touché encore comme ça peut l'être. Mais encore au Québec, il y a eu des événements, des aléas là, climatiques assez importants, des inondations. Et le milieu naturel joue un rôle majeur dans la gestion de ces éléments, de ces événements extrêmes-là, lorsqu'on parle d'inondations, par exemple. Puis c'est sûr qu'on fait le lien naturellement avec les changements climatiques parce que ces phénomènes extrêmes-là, actuellement, vont être exacerbés par les changements climatiques. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est que, justement, ce genre de milieu-là, cette adaptation-là, bon, ça passe par les milieux naturels, mais ça passe aussi par une meilleure résilience des milieux de vie. Mais c'est certain que lorsqu'on met des actions en place en ce sens-là, on vient atténuer ces événements extrêmes-là. Donc, pour les communautés, c'est bénéfique parce que là, on s'assure d'un milieu, des milieux de vie, d'écosystèmes qui sont plus sécuritaires, surtout essentiellement, en fait, des milieux de vie qui deviennent davantage sécuritaires. En fait, les écosystèmes qui bordent ces plans d'eau-là, qui bordent les rivières, ils rendent des services écologiques qu'on n'a pas, nous, à rendre d'une autre façon. Donc, au lieu d'aménager le territoire pour avoir à retenir l'eau ou à filtrer l'eau, bien, les milieux naturels nous font ça pratiquement gratuitement. Bien, gratuitement, ça a une très grande valeur, en fait. Il ne faudrait pas dire gratuit dans ce cas-là, parce que ça a une très, très grande valeur s'il fallait les remplacer. Ce que les gens doivent comprendre, c'est la richesse de cette ressource en eau, OK? On ne peut plus penser que c'est infini, qu'on peut l'utiliser de quelconque façon, qu'il y en aura tout le temps. Je veux dire, c'est ça le nouveau message. Et tout ça, bien, écoutez, même à la ville, dans les municipalités, tout le développement territorial, l'aménagement va se faire autour de cette vision métropolitaine de l'eau-là. Ça veut dire que toutes les actions futures vont être pensées en fonction de la protection des sources d'eau. Donc, un premier tour de piste super intéressant. Je pense que le tour en hélico va nous avoir permis de constater à quel point, justement, le territoire, il est vaste et qu'il est interconnecté. Et j'ai particulièrement apprécié aussi la discussion concernant la vision et la rapidité avec laquelle les partenaires ont embarqué dans cette démarche-là. Et puisqu'on en parle, on a évoqué les piliers de la vision, l'identité du territoire, OK, la qualité de vie des milieux, plus simple à comprendre aussi. J'aimerais peut-être, Mélanie, que tu apportes certaines précisions sur les deux autres piliers, soit la résilience et la capacité des milieux. Mais en fait, quand on parle de la résilience, souvent on le parle avec l'adaptation au changement climatique. On va devoir s'adapter, on va devoir être résilient face au changement climatique. Pourquoi? Bien, parce qu'on va avoir plus de périodes de sécheresse, parce qu'on va avoir plus d'inondations. Et qui dit inondation, bien, il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être se retirer des zones inondables. On a beaucoup voulu être proche des cours d'eau, bien, peut-être qu'il va falloir se reculer puis aller plus loin. Donc, il va falloir voir notre aménagement autrement. Donc, ça, c'est la résilience des communautés. Et pour ce qui est de la capacité de support, bien, la capacité de support, à un moment donné, c'est comme nous, humains, à un moment donné, si on manque, je trouve, si on boit des mauvaises choses, bien, on va se retrouver avec une situation où notre santé va aller mal, puis on va commencer à avoir des petits bobos, là. Bien, les lacs, ça, ou, par exemple, ça va être la même chose. La capacité va finir par se dépasser quand on va trop y envoyer de nourriture, quand on va trop envoyer d'éléments nutritifs, et il va apparaître, par exemple, des cyanobactéries ou une invasion d'algues ou des problématiques comme on pourrait voir dans le lac Saint-Augustin où il y aura mortalité d'espèces. Donc, c'est là la capacité de support, c'est jusqu'à où un milieu est capable de recevoir tout ce qui arrive de l'activité humaine. C'est comme sur le corps humain,
souvent, quand ça commence à paraître, c'est qu'on... Il est peut-être un peu tard pour y penser. Il aurait fallu se préparer ou ajuster avant nos comportements. Effectivement. Bien, excellent, Mélanie. Et on va conclure là-dessus parce que ce à quoi on vient de faire référence, on va en avoir de beaux exemples la semaine prochaine. On va voir notamment le lac Saint-Augustin et on va aller chercher un échantillonnage de perception. Différentes personnes, comment on perçoit les enjeux, comment on perçoit la situation.